it's Sunday and that non. means it's race time je perds here autant. In Spa. As the cars are being prepared, let's join them trackside for the start of the Belgian Grand Prix. Romain Grosjean couldn't resist a beaming smile in yesterday's post-qualifying interview. He was absolutely delighted with his pole lap, and no wonder, it was a stunning effort. He'll want to stay out of trouble over the first few laps, but he'll be determined not to let any cars past him. If he can maintain that position once everything's settled down, he'll have a massive advantage and be able to control the race. Nico Rosberg looks to have the upper hand on Lewis Hamilton this weekend. But what can Lewis do today in the Grand Prix to finish ahead of his teammates? Lewis is always confident he can win, but he'll know he's got a tough fight in his hands today. I'm sure he would have looked at the telemetry last night to see where Nico was faster. But if he can manage his tyres better today, I'm sure that will give him a chance of victory. Ouais, en gros, les interviews habituelles où le présentateur a annoncé la magnifique performance qu'on a eue pour ses qualifications. Rosberg qui part que quatrième, mais qui va certainement pouvoir remonter, et donc va falloir s'en méfier. Et il parle d'Hamilton hein, qui pourrait viser le top 5 dans cette course, mais pas forcément plus que ça. Donc on est parti pour la course. Allez, installez-vous confortablement, on est parti pour 44 tours. Cyril, je compte sur toi comme d'habitude. Kali, j'espère que tu as du monde sur ton live. En tout cas, j'espère qu'on n'aura pas de malchance comme la dernière fois. C'est parti. Okay, remember to protect the inside on the run down to turn one. Make yourself as wide as possible, robust but fair. Bon, le départ s'est passé sans encombre, pas d'accro à signaler. Donc ça c'est plutôt bon. J'ai Vettel derrière dans les rétros là qui me remonte. J'ai pris un petit peu de distance dans le raidillon. Ah ok, Kali. Bah écoute, je suis content que tu suives mon live du coup ce soir. J'essaierai de faire une belle course. Putain, j'aime pas être suivi de près comme ça. Et FabH76, merci pour le follow. On est bientôt à la barre des 200 follow. Oh Cyril, j'ai vu que tu m'avais mis un roman. J'essaierai de le lire dans un petit moment. Parce que là, c'est un peu chaud, si tu vois ce que je veux dire. J'ai un Sébastien Vettel dans les rétros et voilà. Sébastien Vettel qui passe. Bon, pour la course, on fera deux pit stops, on s'arrêtera à la fin du 13e tour. Et on passera les primes. Attends, je passe le raidillon. Et on passera à la fin du 31-32e tour pour passer les options pour la fin de course. Ok.
Troisième tour, et le DRS est autorisé. Ouais, je voulais juste prendre la température là, Cyril. Je vais y aller avec prudemment. Rosberg qui a réussi à se défaire de Bottas. Voilà, il faut absolument que je sois bien dans les échappements de Vettel à la sortie du raidillon. Voilà, on est bien. Passé près du mur. J'avais encore une fois oublié que j'avais énormément d'essence dans la voiture. Great work. That's a new fastest lap for the race.
Je déteste avoir une voiture dans les rétros. Je préfère être poursuivant que poursuivi. C'est ce deuxième secteur qui me met dedans. We have around 80 kilos of fuel left in the tank. 80 kilos. You're closing, Vettel. See if you can get through. User entered your channel. Bonsoir, Angel. Salut, Paddock. Merci d'être passé. Un petit coup. Bah écoute, ça fait plaisir. Et pour le moment, ça se passe bien. Bah pour l'instant, le Grand Prix se passe bien. Je suis second derrière Vettel. En fait, on se rend les politesses si tu veux. D'accord. Et t'es parti en pole ? Je suis parti en pole. Options for your next stop. The window opens in 2 laps time. 2 laps. Ouais Cyril, j'essaie de garder le contact avec Vettel, mais je lui laisse surtout aussi un peu d'air. Enfin, je me laisse un peu d'air surtout
pour la voiture, hein, pour les pneus, etc. Bonne nuit à Start, merci d'être passé. Les 200 followers. Merci à tous. Cyril, est-ce que tu as vu l'usure des gommes? Qu'est-ce que tu en penses? Cyril. Oh putain.
closing. The pit window is closing this lap. You're losing time to Rosberg. He's cutting your lead by a second a lap. Bon, Cyril, t'as pu voir les pneus, hein? Some signs of abrasion on your tires now. They should still be good to run on, but they won't be at their best. Parce que là, le souci, c'est que je vais voir Rosberg me dépasser. Ok, Siri. Ah non, j'ai vraiment pas lutté, Cyril, hein, comme tu as pu le voir. Je l'ai laissé filer. Hein. Putain, pourquoi à chaque fois il me parle dans ce virage là, il me saoule. Ouais, il en faut du courage, hein, Cyril, parce que là, la voiture, elle commence à être compliquée. J'espère que je vais pas éclater un pneu.
Hamilton qui partait loin dans le classement est déjà revenu dans mes échappements. Et oui, les Mercedes sont sur une autre planète. Pas de bêtises, monsieur Hamilton, pas de bêtises. Allez, un premier relais qui s'est plutôt bien passé. Avec le décalage, Cyril, j'ai déjà changé les pneus là au moment où tu insistes sur les primes. Dis-moi pas que je me suis gouré, hein, j'ai sélectionné les primes. Hein. Cyril, essaie de changer de navigateur, hein. Je sais pas si tu utilises que Internet Explorer, essaye avec Firefox, essaye avec Chrome. Don't worry about them.
J'ai la répartition des freins en E3 à Cyril. Rosberg's a second a lap faster than you. 1 second. Bonne fin de soirée, Calibibi. Merci d'être passé sur le live. Repose-toi bien. On va maintenir la rythme même si Hamilton de tente de tout doubler mais qu'il a une chance de se couler. Ok. Ah, c'est sûr, on n'a pas la même bagnole. Je pense qu'il va le faire en haut du raidillon avec le DRS. Je préfère pas contrer Cyril contre le l'IA, c'est pour finir dans les choux. Je vais plutôt me servir d'Hamilton comme lièvre.
Actuellement, on est 8 viewers sur le live, merci à vous. Is running on the option tire, they have the advantage. Okay, the boots aren't looking too worn at this point. We should have plenty of life left in them. Let's make sure we keep managing them properly.
conditions to remain dry for a while. We will update you if the outlook changes. Ouais, Kimi est bien en option. Et il rentre au stand d'ailleurs. Angel, j'ai vu pour Kimi. Il va finir la course en prime comme Hamilton, Rosberg et Vettel. Ce qui est bon pour nous. Vettel's leading the race. You're losing time to Hamilton, around a second each lap. Bottas is gaining on you by a second a lap. Et merde, maintenant j'ai le retour de Bottas dans les rétros. J'aime pas trop que la météo est en train de tourner. J'espère que ça n'a rien de mauvais pour nous. Alors l'état des gommes, Cyril, l'arrière ça va bien, c'est juste, ça commence juste à être orange, à l'avant c'est jaune. Jaune à l'avant droit ça commence à devenir jaune à l'avant gauche. Sinon l'arrière c'est jaune pâle. Donc ça va bien avec les gommes.
two laps away from the next round of stops, we're going to fit the option tire. Putain, mais c'est bon, il s'arrête jamais au stand là. T'aimes dire que les mecs qui sont en prime, ils durent pas plus longtemps que ça. Ou alors le mec il m'annonce les strats comme si j'étais parti en option. Oh là là, Nasser derrière là qui s'est décalé pour faire le drapeau bleu. Il a complètement bloqué Bottas. J'ai bien cru que les deux pilotes s'étaient encadrés. Et merde. Pluie fine dans 15 minutes. Donc Cyril, je crains qu'on finisse la course sous la pluie, hein. J'en ai bien peur. Hein. Salut Kikor61, bienvenue sur le live. Ouais, ça envoie du lourd, ouais. Salut Ismaël, bienvenue sur le stream. On a Bottas là qui est revenu dans les échappements, qui m'attaque dans le raidillon. Je suis obligé de passer par l'herbe. Parce que j'ai bien cru que... Putain. Ah bah c'est cool Tonio que tu sois passé. Ouais, je me rappelle d'hier. Ouais, t'as dû enfin... Avec ma super performance d'hier soir. En rabotage de barrière. C'est un Bottas qui m'attaque au pied du raidillon, j'étais obligé de couper dans l'herbe hein, parce que
Sinon je pense qu'il m'aura encadré. Et ça, ce serait mal terminé. Mais ils s'arrêtent jamais ces gens là pour changer de pneu. Ouais Cyril, mes pneus ça pourrait le faire. Ils sont jaunes, bien jaunes à l'avant et jaunes à l'arrière. Ça va s'agir. Cyril, je sais pas si t'as vu qu'ils annonçaient la pluie, donc on va finir certainement la course sous la pluie. Qu'est-ce que tu suggères comme strat? Ah, mais je suis pas inquiet pour Bottas, Cyril. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la pluie. Cyril, est-ce que tu as entendu pour la pluie ? Angel, si tu utilises le Mix 3, c'est maintenant pour enfoncer le clou sur Bottas si tes pneus le permettent encore. Oui, c'est bon, Cyril, ils le permettent encore, mais j'ai besoin d'une réponse. Là, il va y avoir de la pluie. Thank you.
Ils ont dit que la pluie arrivait. Pluie fine dans 5 minutes. Ça devrait plus tarder maintenant. Okay, we're ready for you. Box this lap. It's a gradual loss in grip. They should still have a bit left, though. Ok, Cyril, ça marche. Has newer tires, car behind on newer tires. Pit window closes this lap. Confirming that we'll be fitting the intermediate tires. Fin du 31, Cyril. 3 seconds allowed to Bottas, we need to see a response quickly. Je m'arrête. Fin du 31 ou 32, Cyril. Merci Kiko. Enfin, Antonio, pardon. Ouais, je commence à sentir les gouttes de pluie. Ça commence à être humide. Lol. Ouais, il est possible de rajouter de l'aileron, ouais. Cyril, fin du 31 ou 32?
this lap. Ça sera fin du 32. Je fais encore un tour. Okay, be careful on those slicks. These conditions are making the line a bit greasy, but we're still nowhere near the changeover point. Personne ne rentre. On rentre à la fin du 32. Est-ce que tu confirmes Cyril pour l'aileron ? Right, our current set of rubber is looking a bit worse for wear at this point. It's not going to be long before it falls away from us completely. Stay alert. Ouais, c'est bon pour les inters, hein, Cyril. This rain is expected to stop in around 15 minutes time. 15 minutes. Rosberg's just taken first place.
Just behind you, try to build a gap. Écoute Cyril, pour l'instant, ton plan a l'air de se passer à merveille. On voit Massa là devant qui est en train de lever le pied vraiment clairement. Non. Vous m'excuserez, mais là non. Cyril s'est embêté à mettre en place une super stratégie. Là, je m'autorise un replay. Parce que c'est moi qui ai voulu un petit peu trop. Hein. Par contre, ce serait bien que l'IA rentre au stand quand même pour changer de pneu. Hein? J'aimerais bien le dépasser en fait, mais si tu veux, Massa pour l'instant il résiste plutôt pas mal. En fait, Massa, comme il glisse dans les virages, il m'a tout simplement mis un coup de roue avec sa roue arrière. La pluie, non, elle s'intensifie pas trop pour l'instant, Cyril. L'IA est allé passer les inters. Green flag. Green flag. We're racing again.
Quoique. Ferrari are readying for a pit stop. One of their drivers is coming in. Allez, faut mettre les foulouettes là. Salut fiston. Actuellement 12 viewers sur le live, merci à tous. Non, du coup Cyril, hein, je suis désolé, mais je suis obligé de passer en full boîte. Hein. Effectivement, la pluie s'est un petit peu intensifiée, et d'un seul coup, la piste est devenue très glissante. Donc, c'est même pas la peine. Les temps difficiles, Fistor. DRS has been disabled by the stewards. DRS will be offline. Current reports are suggesting rain will stop in 10 minutes time. Ouais, je fais aussi des vidéos alors que je stream. Bah, disons que là, quand je fais du stream sur F1, je mets la rediff sur YouTube. Thank you.
fitting intermediate tyres next. Greasy, but we think the slick might now be the quicker tyre. If you think you can keep it on the road, let's consider swapping over. Merci Fister pour le follow. La piste elle arrête pas de changer, Cyril, je suis désolé. Bonne nuit, paddock. Rosberg's out in front. Is still looking good, Nick. Let's keep them that way for as long as we can.
Rosberg's really going for it. He's just put in the best lap of the race so far. Mais crache-toi, putain. Is the current fuel situation? We're now at 10% of our initial fuel load. That's 10% fuel remaining. Drawing out a small lead on you. He's a full second faster per lap. Ouais, je suis en mix 3. Kvyat is a second faster than you. He's catching you. Rosberg's in first place.
were slightly faster than Ricciardo, around 3/10 per lap. Quicker than Kvyat, he's starting to drop back. Bon, et ben voilà, cette course se termine avec une 8ème place. Malheureusement, on a été piégé par la météo. Ça s'est pas passé comme on l'aurait voulu. Du coup, bon, bah voilà, hein, 8ème place, ma foi, c'est pas non plus. On est dans les points. Hein. C'est un moindre mal, mais c'est chaud hein, quand même parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir un jeu qui s'adapte au fur et à mesure qu'on évolue, et quand on est un peu trop devant, peut-être modifie-t-il des choses, j'en sais rien, c'est bizarre, parce que la météo, comme elle a changé, l'IA était en intermédiaire, ça les a pas perturbés, moi j'arrivais plus à tenir la voiture. Je suis rentré, j'ai mis les pneus pluie, et là, après la piste a commencé à s'assécher d'un coup, ils ont désactivé le DRS et réactivé le DRS quasiment dans la foulée, et d'un seul coup la piste était praticable pour les pneus secs, et en fait c'est quand j'ai rechaussé les intermédiaires que j'aurais dû mettre les secs, et bon bah voilà, hein, malheureusement, avec des si, on refait le monde, mais c'est vrai que c'est pas pratique de faire les stratégies comme ça avec un tel décalage. T'avais quasiment deux tours de retard sur moi, Cyril, c'était vraiment compliqué. Enfin, c'est pas grave, on a quand même fait une bonne course, on a marqué encore des points et c'est pas très grave. Alors, Lewis Hamilton est toujours en tête du championnat du monde devant un Nico Rosberg qui remonte sur Sebastian Vettel en ayant gagné cette course. Du coup, Vettel qui descend à la troisième place. Valtteri Bottas reste 4ème, suivi par Kimi Räikkönen, les deux compères finlandais. Ensuite on retrouve 6ème Ricciardo, 7ème Massa, Denkiat 8ème, je suis 9ème pour l'instant. Derrière moi il y a Perez, Button, Verstappen. Et ensuite on va aller voir au champion du monde des constructeurs, Mercedes qui est toujours devant, la Scuderia Ferrari, Williams 3ème, 4ème Red Bull, et on monte à la 5ème place, on fait descendre Force India d'un étage en leur chipant un point, donc on est 5ème, ils sont 6ème, derrière on a McLaren, Toro Rosso, Sauber et Manor. Voilà, cette course est terminée, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Bon, pour ma part ça a été quand même tendu hein, parce que une course en 100% c'est long. Mais bon, c'était sympa. Merci en tout cas Cyril d'avoir passé la soirée sur le live et d'avoir tant bien que mal essayé de prodiguer des bons conseils. Moi je vous dis normalement, moi je sais pas, je vous ferai le programme de la semaine sur la page Facebook et Twitter demain dans la journée. Je vais me mettre d'accord avec Cédric et je vous tiens au courant. Et merci à tous encore hein, pour avoir visionné le live et pour vos follow.
Ça fait super plaisir, on a passé le cap des 200 follow et ça c'est cool. En tout cas, merci à tous. Merci Cyril qui me dit, bon, tu as fait une bonne course Angel, tu n'as rien à te reprocher, tu as fait ce que tu pouvais. Si j'avais pas eu toutes ces coupures, j'aurais pu faire différemment sur la stratégie avec la pluie, mais voilà, ce sont des choses qui arrivent. Maintenant, si on peut faire un top 5 ou 6 à Monza, ce serait bien, j'espère en tout cas. Merci à tous, bonne fin de soirée à tous, et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, salut à tous. Ciao, ciao.